Les EMS recrutent placent des cubes casiers vierges, demandés et de la bonne foi. Ah bah ça. Bonjour monsieur, je vous entends pas monsieur, vous allez bien? Allez, moi je tombe toujours sur des fous furieux, ils sont là, je sais pas quelle heure de la nuit, en train de dormir à moitié, ils se bavent dessus aussi. Attendez, mais du coup, j'ai envie de devenir OMS. Parce que du coup, effectivement, les gens, sachez que je me suis fait virer de la police. Voilà. Je me suis fait virer parce qu'à ce qui paraît, je faisais trop de bordel, je vois pas de quoi ils parlent. Hein. Dommage, prochaine fois peut-être on y arrivera. Hein. Attends. Eh hey, monsieur, y a pas à faire du pain RP comme ça là. Pas toi. Ah mais vous êtes FIB vous? J'étais FBI, j'étais mis en fédéral, tu te souviens pas? Ah mais oui, mais d'ailleurs faut que je me fasse recruter en FIB, vous pouvez m'emmener là-bas? Bien sûr. Bah attendez, je vous suis. Du coup, on est en route pour se faire recruter au FIB parce que on est quelqu'un de très sérieux, de très motivé, de dynamique, de courtois. Pas le gardien de but hein, mais voilà quoi. Ouais, c'est ce que je veux dire. Calmez-vous. Comment ça? Regarde, je te fume. Et qu'est-ce que vous fumez, vous? Va manger ton jambon fumé, là, que tu me parles. Pour rejoindre le serveur? C'est simple, Gadjo. Il te suffit d'avoir une version officielle de GTA V, que ce soit Steam, Epic Games ou Rockstar, mais ça, je sais que tu l'as déjà, BG. Tu cliques sur mon lien dans la description, tu te crées ton compte tout simplement avec le nom et le prénom de ton futur personnage, pas le tien, hein, petit filou. Je dis ça, mais c'est ce que j'ai failli faire, moi. Boum! Tu t'inscris, tu télécharges le launcher, tu le lances, tu te connectes, et c'est parti, ton aventure RP de gros BG des Maldives peut démarrer. C'est là-bas, les FIB, je crois. Ouais, c'est là. Ouais, j'ai pris un petit raccourci en vrai. Allez! Alors, faut être plus rapide, mais là. Mais c'est passé par où? Ah, mec, raccourci, je connais bien. Oh. Ah, du coup. Faut mettre la ceinture. Hein. C'est vraiment bien stylé ici. Hein. C'est beau, hein. Vous voulez qu'on fasse visiter? Je veux bien. Allez, viens, suis-moi. Ah, bah ouais, je suis pas le seul qui sait pas se garer. Bah non, mais ça, c'est parce que c'est un de l'équipe, il est un peu bizarre. Et qui, moi? Ouais, toi. Je fais ce que je veux, d'accord? La liberté d'expression. Bon, allez-y, venez. Liberté d'expression. Vous allez voir quand je vais vous mettre trois patates derrière les oreilles. Voilà, on va se laisser faire par lui. Oh là là, mais toi tu vas voir toi. Vas-y viens, je t'emmène dans son bureau, ne suivez pas le reste. Marc, c'est un putain de suceur de bite. Eh, qui c'est qui parle de suceur de bite là, ici là? C'est celui là-bas là. C'est moi, y'a quoi? C'est moi, y'a quoi? Ouais, ouais, bah essaye pas trop de parler de la profession de ta mère ici, on aime pas trop ça ici. Eh, vous êtes beaucoup dans les FIB, hein? Oh oui, on est beaucoup. Et comment ça se fait que vous êtes beaucoup? Vous recrutez à l'appel ou quoi là? On recrute parce qu'on a besoin d'effectifs. Oh ouais, mais si vous recrutez tous les schlags de la ville, dont moi. Oh non, je me suis trompé de bâtiment, mais c'est parce qu'il y a trop de monde qui te suit, c'est pour ça. T'es trop humain. Tu parles souvent d'aimer, hein? Je t'ai déjà dit que je connaissais que Jacquet. Hein. Oh putain, je t'ai dit la dernière fois que c'était une blague de merde. Et pour ce blague, t'as fini en fédé, hein, tu te souviens? Ouais, mais les fédés, moi j'aime bien les fédés. Vous savez ce que j'aime bien d'autre? Et qui rime en plus avec fédé? Les peinés. Je parle des pattes, hein, je parle des pattes. Bonjour Tony, je vous amène monsieur Hans, il est. Bonjour Tony, del tutti, del frutti, del panzani. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Panzani, comment? Ça va et vous monsieur? Nickel, nickel. Vous avez pris son passeport, monsieur? Allez-y, fouillez-moi, prenez tout. Hein. Tu veux que je te prenne? Vous êtes chaud pour intégrer le FIB, la meilleure des organes de la ville. C'est ça, exactement. Je suis désolé parce qu'en même temps, des fois, je suis pas là parce qu'il y a un monsieur dans mon club sur l'internet, dans le chat, il me clash. Il y a pas de soucis. Alors Tony, il a un refus d'obtempérer, le monsieur là. Ah oui, c'est vrai. Monsieur Hans, voilà. C'est moi, je m'étais trompé sur la montre. Vous allez partir en patrouille. Déjà, monsieur Hans, on va vous montrer le vestiaire et puis les armes. Comme ça, vous allez vous préparer. Tout à l'heure, 23h40, si vous êtes encore là, on va se préparer en opération pour aller à la weed et puis on va tous les allumer, si je puis dire. Ah ouais, c'est direct. Ah oui, on n'est pas là pour rire, non. On n'est pas là pour niaiser, quoi. Ok, bah moi je suis partant. Moi. Donnez-moi une M4. Si vous voulez savoir mes compétences, je suis ascendant 2 sur Valorant. Je sais pas si ça va vous aider en ville, mais c'est un bon niveau. On est content. J'ai fait faire sa tenue et je l'ai dit. Je peux pas me faire virer. Pourquoi voulez-vous faire virer, monsieur? Attends, Tony, viens vite. Tony, ça t'appelle derrière. Attends, deux secondes, Mamadou, on va aller dehors. Comment ça, Mamadou? Qui c'est qui s'appelle Mamadou ici? C'est moi. Venez voir, monsieur Hans, une petite pièce. Oh, une petite pièce, je vous permets pas, je suis pas SDF quand même. Là, c'est ici qu'on va emmener les méchants pour les interroger. Là, il y en a une plus petite. Ouais, quand on a besoin de les frapper en zoom zoom, quoi. Okay. Ouais, voilà. Quand l'avocat est parti pisser, hop. Bon, je vais vous équiper. Vous montrer tout ça. Montrer votre tenue. Ouais, comme ça, on y va cash là, parce qu'on a pas le temps là. Je vais te montrer la tenue que tu dois faire tout de suite. Hein. Oh la vieille tenue que j'ai. Ah, vous trouvez pas que je suis bien comme ça là? Je fais un truc à l'arrache. Hein. Oh là là, le beau gosse. Là, un truc comme ça à peu près, ça va non? Non, c'est nickel, t'inquiète bien. Donc tu prends un gilet pare-balles, taser, pistolet et tu prends soit un fusil à pompe ou soit un APW. Pom. Il a dit fusil à pompe. Bon, ça, moi direct. Hein. Voilà nickel. La même arme. Je vais te former sur. T'as déjà fait les contrôles ou pas? Ouais, t'as fait les trucs. Ouais, mais j'ai déjà tout fait, vous savez, j'ai déjà même FIB à l'époque donc. Ah ouais, d'accord. Moi, je serais chaud qu'on aille voir place des cubes EMS, voir comment ça se passe. Allez, viens, tu vas assurer la sécurité. Comme on dit chez moi, hey,
Regelsbruck Strudelmeer. Ça veut dire quoi en français? Ça veut dire qu'aujourd'hui vous êtes moche et que j'aime bien les donuts. Ah, yes. Il faut toujours avoir des choses cohérentes dans une phrase quand on parle. Monsieur, s'il vous plaît, vous là, à éviter d'être comme ça. Au moins, si vous avez un gros gag, on autoriserait, mais là, vous avez vraiment un petit truc, quoi. Il a quitté tellement il a eu honte de son petit gag. C'est qu'il est surtout honte de votre gros fusil à pompe. Mais là, vous savez ça, madame, il n'y a pas que ça qui est gros, hein. Il y a mon intelligence aussi. Je crois vraiment pas que votre intelligence il est gros. Commencez pas à juger mon collègue, s'il vous plaît. Bonjour. Bonsoir, Sarah, tu vas bien? Vous parlez à qui en fait, madame Sarah? Là, vous parlez au mur ou? Pourquoi? Non, j'ai une personne devant moi, pourquoi? Vous avez une personne? Je la vois pas, c'est normal? Bah non, c'est pas normal. Non, mais ça doit être moi le problème, je vais vous laisser. Ah voilà, je le vois là, effectivement. C'est mieux là? Ça va, ça va. Madame, je voulais juste vous voir parce que vous savez, la journée tout est illuminé, la nuit c'est beaucoup, c'est vraiment sombre, mais au moins grâce à vous, la nuit est un peu plus illuminée, donc je tenais à vous remercier. Oui, merci beaucoup. C'est pas comme si elle avait 40 piges, quoi. Bah j'en ai 62, ça tombe bien. Sarah. Bonjour monsieur. Bonsoir la police. Qu'est-ce que vous faites ici? Bah je suis là pour me faire recruter, hein. Ah, vous voulez devenir EMS? Ouais, EMS. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, EMS, au moins? Non. Bon, allez, viens. On va pas fouiller un peu plus, là. Vous pouvez le fouiller, s'il vous plaît? Allez, on vous laisse tranquille. Okay. Recrutez-le, monsieur, allez, les EMS, c'est quelqu'un de confiance. Ah, messieurs les agents du FIB, j'ai trouvé le point G. Bah, ça tombe bien, parce que la dernière fois, votre tante, elle le cherchait, quoi. Au revoir encore, mademoiselle Sarah, désolé du dérangement. Et n'hésitez pas à me rajouter sur Instagram, NAWK57. Passez une bonne soirée, bande de belles personnes. J'espère qu'on va choper des gens de la police parce qu'ils m'ont jeté comme une merde et ils me narguent. Moi maintenant je vais venir avec mon fusil à pompe, je vais faire. Alors c'est qui a la plus grosse arme? On va aller là-bas tout de suite, on va aller voir ça tout de suite. Voilà, on va aller voir là, c'est loser de merde. Voilà. Ils sont même pas là, regardez, ils bossent jamais là. Oh, il y a un nouvel appel d'urgence. Ah, regarde ce que c'est s'il te plaît. Oh putain. Bon, t'es prêt pour un vol de guichet? Un vol de guichet. C'est des collègues fort, ça? Ouais, c'est nos collègues. Vous aurez dû me laisser rouler, j'aime trop rouler moi. Rouler, vous voulez conduire? Eh, juste casse pas la voiture. Ah putain, mais je peux pas. On est comme des cons là. Attends, je vais dire à Tony qui te monte ton grave. Bonjour messieurs, c'est pas une place de parking ici. Mais c'est encore le monsieur à poil. Eh, vous, je vous laisse 4 secondes, je vous cartouche le crâne. Ah. Eh, vous aussi, 3 secondes, je vous cartouche le crâne. Et la Merco aussi, Hans. Eh, vous aussi, 3 secondes, je vous cartouche le crâne. 1, 2, vous croyez vraiment que je vais pas vous cartoucher là? Quoi, grosse folle, tu vas faire quoi? Ok, c'est simple, les deux voitures, si vous êtes pas parti dans 5 secondes. Oh putain, vous avez de la chance. Bonjour, messieurs. Alors, j'étais obligé de venir avec mon collègue. Il est en formation, il est obligé de rester avec moi. Bonjour, messieurs, dames, monsieur. Comment vous allez? Qu'est-ce qui se passe, Vincent? Pourquoi on m'a dit, viens, Vincent, rends-toi à l'SPD? C'était pour une histoire avec un agent du FBI. J'ai appris par un de vos officiers, on va dire, je vais pas dire le nom. Attends, je viens avec vous parce que du coup le monsieur qui parle il m'endort là. Salut les collègues, comment vous allez? Ouais, très bien. Ouais, je me suis fait virer de la police, du coup je suis allé chez le FIB vu qu'ils sont meilleurs, bande de losers de merde. Aïe. Oh, il y a un magasin d'armes qui est attaqué. Oh putain, on y va. Allez, j'y vais en location, je m'en fous. Hein. Tant pis le collègue. Ah, c'est juste ici en plus. Allez. Excusez-moi, on est occupé, chef. Ouais, je viens pour vous buter en fait tout ça. Ah, ça va toi? Ça va et vous? Vas-y, viens, laisse-moi juste rentrer, je fais peur à tes collègues. Vas-y, attends. Vas-y. Tirez pas, c'est une personne incroyable. Les gars, s'il vous plaît, on reste dans le respect et bien sûr, vous me laissez tous vous tuer. Allez, je reviens. Bisous. J'ai négocié un paquet de chips. Salut les collègues, vous allez bien? Bonsoir. Ouais, j'attends un nos gradés qui vient pour une négociation. Qu'est-ce qu'ils font là derrière? C'est des fous, frère. Salut collègue. Mais non, ok. Allez, toi tu me mets une balle déjà. Ah, j'ai bugué là. C'est qui le plus grand de vous trois? C'est pas moi. Vous voulez que j'y aille? Allez, c'est... Bonjour messieurs. C'est... Du coup, on voulait savoir quelles sont vos revendications, s'il vous plaît, messieurs dames. Bah, c'est simple, on a un no-grade FIB, du coup, les senders, du coup, on demande 300 000. Ah oui, mais nous on l'aime pas. C'est bon, on peut y aller, on l'aime pas. Ils revendiquent des choses ou pas? Non, ils revendiquent juste qu'ils sont cons. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'il m'appelle? Pourquoi il m'appelle lui? Allô? Ouais, tu fais quoi? Là, je suis en train de avec une vidéo, pourquoi? Ah ouais, non, là, je suis en train de rec parce que j'ai eu une merde avec mon autre enregistrement. Oui, parce que vous le savez pas, mais en fait, de base, j'avais tourné une autre vidéo, les gens. Et seul le monteur qui est en train de monter cette vidéo le sait, parce que de base, j'avais tourné une vidéo et monté une vidéo toute une nuit. Et en fait, comme un débile, je l'ai supprimé et envoyé à la corbeille. Voilà. Donc, sachez qu'il y a une vidéo qui sera jamais sortie, vous ne saurez jamais ce que cette vidéo aurait été. Et voilà. Bonjour, Feldup. Oh, les gars, vous avez pas un paquet de Skittles? Non, j'ai des clubs si tu veux, moi. Non, vas-y. Qu'est-ce que vous faites, vous? Qu'est-ce que vous faites, vous, là? Regarde l'hélicoptère, comment je le vois. C'est la police belge.
Vous voulez pas mal. Monsieur, vous avez fumé trop de hashish par mon. Non, attends, non. C'est un shadow. En vrai, la photo, tu peux pas dire qu'elle est gaze. Wesh. C'est quoi cet hélico là? Qu'est-ce qui se passe? Vous voulez qu'on se mêle là? Ouais, il y en a une personne qui nous casse les couilles à l'intérieur qui n'a rien à voir avec. Ah, ok, je m'en charge. C'est lequel? Il est où? C'est lui là? Ouais, c'est lui là. Tu peux le menotter. Ouais, c'est celui-là là. Ouais, merci, merci. Nickel. Merci, c'est tout. Allez, bye. C'est bon. Préparez-vous, on va bien partir. Préparez-vous, montez dans les voitures. Moi, je suis allé tuer quelqu'un à l'intérieur qui gênait les personnes. T'es prêt ou quoi? Mec, je suis toujours prêt moi. Bon, du coup, putain, ça fait chier que j'ai pas le rang pour rouler. Hein. Yeah, ouais. Demande, tu l'auras. Bah ouais, mais. Attendez, je regarde si je peux rouler une autre voiture. Ah merde, mais y'a quelqu'un dans cette voiture, bonsoir. Oui, ça va. Vous faites quoi tout seul là? Vous faites quoi de beau? Ah, mais non, vous êtes pas tout seul, y'en a deux. Oui, y'en a deux. Et vous faites quoi avec vos peintures rustiques sur le visage là? Vous êtes des Indiens ou quoi? Ah, ça part, les gars, ça part. Allez, je compte sur vous. Vous appelez comment, monsieur le conducteur? Sigma. Sigma? C'est vraiment un prénom de con. Hein. Mais je vous aime bien. Aïe, aïe, aïe. Aïe. Wesh, Sigma, on n'est pas sur colline Macré 4 là. On est en Forza. On est Forza. Putain, mais pourquoi vous êtes toujours shooté, vous les policiers là? C'est dinguerie ça. Oh là là, comme il est nul en plus. Oh, je l'aurais attrapé. Je l'aurais déjà attrapé 10 fois là avec sa caisse. Aïe, ah bah je vois que c'est pas mieux. À la police. 10-31, on est Bahamas. On se dirige vers le Hypermarket. On se dirige vers la place des cubes. Tourne à droite, frérot. Actuellement, place des cubes. Nice. Continue de les suivre. On va voir la banque, place des cubes. Continue de les suivre, allez-y. Ok, ils sont partis là-haut. Oh, y a plus aucun véhicule. Non, c'est une vanne. Oh, mais même là, il n'y en a plus. Oh, vite, faut que j'aille à la police. Il y a des véhicules là-bas. Vite. Oh, la voiture vient de passer là, les TDR. En tout cas, moi j'en connais un qui avait les couilles rouillées. Hein. Non! Il s'est trompé de touche. Il a fait un accident, il est tombé en voiture là. Oh monsieur, tu reviens là. Non! Pourquoi tout le monde me saoule là? Je vais devoir vraiment mystifier tout le monde de nouveau encore une fois là? Oh là là, j'en ai marre de mystifier des gens sur ce jeu. Il est vers le parking rouge. Allez, tchou les nazes. Bon là, je peux essayer de retrouver ma course poursuite là ou... Comment je fais pour... Oh, ils m'ont pas vu. Ils sont juste tous là-haut, hein. Ils sont en train de me chercher. Bonjour messieurs dames. Vous m'entendez messieurs dames? Ah, mais il écrit dans le chat. Comment ça madame? Bonjour, toi ça va te baiser, j'ai pas de micro. Ah, écoutez, je suis actuellement en train de rechercher une course poursuite. Est-ce que vous auriez vu une course poursuite s'il vous plaît? Une course poursuite? Oui. Oui ou non? Ah bah je pense que la course poursuite c'est terminée dans l'eau, hein. Ah d'accord. Ah, votre collègue il a dit balèque. Ouais, y a pas de soucis. Bah je vous souhaite une bonne soirée, bande de paysans. Hop hop, l'ami, reviens là. Il se barre. Passe tes sous. Aïe. Oh non, mais ils m'ont retrouvé, eux. La thune. Ils m'ont retrouvé. Oh non, je vais devoir nouveau tout fuir. Aïe. Oh. Wesh, t'as kiffé le petit vol. Non, mais t'inquiète, on va les avoir, t'es prêt? J'espère que t'es prêt. Hein. J'ai. Ouais. Allez. Comme ils sont nazes. Ah, faut que j'aille en dispatch. Attends, bon, on va les baiser, t'es prêt? Voilà, c'est comme ça qu'on fuit trois voitures, mec. C'est bon, t'as retenu la leçon? Tout le monde en dispatch, du coup. Ok, j'arrive, messieurs, j'arrive. Attendez. Y'a moyen de faire un sale saut jusqu'à là-haut, en fait. Non! Et vous, monsieur? Mais attends, il est pas FIB, lui! Range ça, malin! Non! T'arrêtes? Ah, voilà, les collègues, bonsoir. Non, mais y'a des gens qui sont rentrés dans les FIB, du coup, je m'en suis chargé, hein. Moi, je les tue, hein. Non, du coup, faut aller où? Oh, moi, tu tires sur des gens comme ça! Non, mais y'a des gens qui rentrent dans le FIB, dans le parking. J'ai parlé chinois, mais frérot! Excusez-moi de mon retard. Y'a pas de soucis, Hans. Mais y'a des gens qui s'amusent à rentrer dans le parking et à me rouler dessus, du coup, je les ai descendus, hein. Vas-y, pas de soucis, hein. C'est pour ça les tirs. Du coup, là, on va se préparer pour la 8, tout le monde en tenue d'intervention. On va se prendre un max de munitions de gilets pare-balles. Dès qu'on arrive là-bas, on met des barricades devant. Et comme d'hab, et puis après on les allume. Et là du coup c'est dans 13 minutes à minuit 00 là, ça démarre. Voilà, et tu vois tu mets un peu les voitures à l'horizontale pour bloquer. Et là ça tire direct, donc protège-toi bien, fais attention. Ah oui, ok, oui, c'est vraiment la guerre quoi. Alors quoi de beau? Ah non, pas encore vous. Bah, comment ça? Hans, fais attention. Y'a quelqu'un dans l'eau, hein. Ok, c'est la guerre les gars, ils essayent d'attaquer la weed. C'est pas ce que je voulais faire. Mais regardez comment je nage, qui nage comme ça, sérieux? Je crois que je vais devoir aller jusqu'à là-haut, hein. Oh mon dieu, là. Non,
tout ça pour ça, je pouvais pas tirer, non! Ah, c'est la défaite.